Coucou! Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Millimilo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec un duo qui se nomme Mi Us. Alors, je ne connais pas du tout, mais j'ai tout simplement vu qu'il nous sortait quelque chose de nouveau aujourd'hui qui se nomme Wint. Je ne sais pas si c'est issu d'un single ou d'un EP ou c'est un deuxième single album. Voilà, comme ça on est fixé. Il faut savoir que c'est un duo formé par Hit Flight Entertainment, composé de Yuna et Yemi, anciennement des Nine Muse. Ils ont officiellement fait leur début le 17 avril 2022 avec un single qui s'intitulait Memories. Alors franchement, Nine Muse, ça fait très longtemps que ce groupe j'ai plus vu. Ce qui est normal, c'est tout simplement un ancien groupe. De voir que deux membres essayent de retenter leur chant, je trouve ça vraiment sympa. Je sais pas combien ils comptabilisent déjà de vues. Apparemment, il n'y a que 2135 vues. C'est dommage. Enfin, en tout cas, sur le MV que je vais enfin, sur la plateforme où c'est utilisé. Peut-être que la plateforme de l'agence, il y a peut-être plus de vues sur les MV. Je n'en sais rien. Mais je me suis dit, vous me connaissez, j'aime bien découvrir de nouveaux groupes, de duos, etc. Ou même des anciens groupes qu'on ne voit plus mais qui recommencent en groupe ou simplement en duo ou en trio. Je trouve ça intéressant. Et puis là, rien que la fleur, Rien que les photos teasers me donnaient envie parce que je trouvais que c'était un beau cadre, c'est en mode pique-nique, etc. Ça faisait très été mais en même temps printanier. Je me dis oui, ça peut être peut-être pas mal. Donc je me suis dit bah pourquoi pas se lancer. Let's go. E-Freight Flight. Bon, le logo est assez sympa, c'est comme un câble. J'aime bien. Ça sent l'été. Oh. Ouais, il y a vraiment de chouettes plans. Bon, on voit qu'il y a peu de budget et que... Bon, je suis pas très fan. Pardon à ceux qui sont fans, mais je suis pas très fan de la chanson. Elle a pas... C'est très plat, en fait, tout le long. Et elle dure quand même 4 minutes 16. Je trouve ça super long pour un truc plat comme ça. Thank you.
C'est très long. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas, les gars. Non. Alors, qu'est-ce que penser de ce duo? Je pense que vous l'avez compris, c'est très plat, j'ai pas apprécié, je trouve ça à la limite, j'ai des mots très durs, hein, mais je vais pas dire les mots durs parce que on sait que les personnes qui ont filmé ont quand même travaillé dur, que les deux membres ont travaillé dur également, mais on va dire plutôt que c'est pas à mon goût, je n'ai pas apprécié parce que c'est personnellement moi qui n'a pas aimé ce style, je n'ai pas trop aimé le MV, que je trouve personnellement pas trop, enfin sans intérêt, oui vraiment. Après ça n'enlève rien qu'ils sont doués en chant quand même, ils ont quand même de belles voix et leur mimique était mignonne et tout, mais je n'étais pas dedans, c'était vraiment tout long, très dans la même tonalité. Voilà, après je veux pas être méchante parce qu'on sait tout le travail que ça peut être derrière, mais mon avis propre à moi, je n'ai pas apprécié. Si vous avez apprécié, tant mieux. Je préfère me répéter plusieurs fois parce que j'ai pas envie qu'après il y a des personnes qui disent ouais, c'est là, elle dénique le groupe, le duo. Etc. Non, c'est pas le cas. C'est juste que moi, j'ai pas aimé. Et si vous avez aimé, bah, tant mieux. Voilà. Et vous, mes chers Méli-Mélo, j'allais dire qu'est-ce que vous en pensez. Mais d'abord, allons voir la jaquette de single. Alors, la jaquette de single, j'aime beaucoup parce que ce seront. Qu'on retrouvait au début du MV quand tu voyais le nom du duo et le nom le nom du titre de la chanson, vraiment des grosses bulles en ballon, ça j'aime bien, j'aimais bien quand même ce détail dans le MV, tu vois vraiment ce nom de l'album Wind en bulle comme ça, en ballon, et puis ce ce fond nuageux. Après, la police utilisée en dessous n'est pas très jolie, je trouve qu'ils auraient même pas dû mettre ça parce que je trouve que ça sent, ça pas vraiment d'intérêt. Mais voilà, comme le MV, bof, enfin revenons. Et vous, mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de le retour pour ce deuxième single? Qu'est-ce que vous pensez du MV? Est-ce que vous pensez qu'il est plat, tout comme moi? Pas beaucoup de tonalité, tout le temps le même ton. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu est ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara.